Et salut, chers amis investisseurs. Donc, aujourd'hui, je fais une vidéo qui va être sur le suivi de mes portefeuilles sur la bourse. Voilà, donc comme chaque semaine, je fais un petit suivi en vidéo pour vous montrer l'évolution de mes positions donc sur le marché des actions et des indices boursiers. Alors, je vais commencer par vous montrer la stratégie des plus hauts. Donc ici, hop, on est sur mon graphique des stratégies des plus hauts. Donc il n'y a pas grand-chose qui a changé au niveau des valeurs. Donc il me semble que normalement, même je n'ai pas pris de nouvelles valeurs durant la semaine. Je ne sais plus trop, je vérifie. Donc le 30 juin. Aujourd'hui, on est le 5, on est dimanche 5. Ah si, j'ai pris quand même deux actions, donc le mardi. Mardi 30 juin, donc la semaine, elle a commencé lundi 29, elle s'est terminée vendredi 3 juillet. Et donc, le 30 juin, j'ai pris quand même deux actions. Donc, effectivement, j'avais pris OPK et WKHS. Alors quand on voit donc leur valorisation, on a un cours à 3,20 pour OPK, donc c'est une penny stock, et pour KHS, on est à 18,38, donc c'est une action classique. Ok, donc là je l'ai spécifié, c'est une penny stock. Alors on va regarder, bah tiens, c'est deux nouvelles actions, où elles en sont. Donc depuis le 30 juin, donc on a. Pourquoi ça s'est mis en rouge? Je vais remettre ça en noir, puisque c'est pas négatif. Ok, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a ici pour WKH, KHS, on est à 2,53 euros de performance. Et perf en euros, oui. Ce qui fait 13%, puisque c'est en fonction de la valorisation, hein, enfin en fonction de ce qu'on a pris. Ça peut sembler très peu, 2,53 euros, mais ça dépend en fait de combien du montant qu'on a acheté. Moi en capital, du coup, j'en ai pas pris beaucoup, certainement parce que mon portefeuille à ce moment-là n'avait plus beaucoup de positions libres, puisque normalement je suis plus sur les actions, je suis plus à prendre aux alentours de 60 euros par action. Donc là, je pense que au moment où je les ai prises, j'avais plus énormément de cash disponible. Donc j'ai dû prendre petit. Ça d'ailleurs, il va falloir que j'aille vérifier, même ici pour CRDF, que j'avais pris le 25 juin de la semaine dernière. Va falloir que je vois si je peux rehausser certaines valeurs. Tiens, il y a LPTH. Ah, j'avais pris que ça, ouais, effectivement. Il faut que je revienne sur ces quelques actions pour les mettre, pour les aligner autour des 60 euros en capital. Donc c'est très bien que je remarque ça pendant la vidéo. Ok, donc ça je verrai ça plus tard. Ok, donc bref, mais ça changera pas le pourcentage. Donc le pourcentage que j'ai pris 32 ou 60, ça change pas le pourcentage puisque le pourcentage c'est en fonction de l'évolution du cours. Donc l'évolution du cours depuis que j'ai pris ces actions. Donc pour OPK on est à plus 10,63% et pour WKHS on est à plus 13,76%. Donc on a de bonnes évolutions sur ces deux actions. Alors on va aller regarder vite fait leur cours. Alors je vais me loguer sur mon PC. Hop, donc ça c'est autre chose que je vais vous montrer après. Donc on a dit OPK. OPK. Donc c'est une valeur de la santé. OPK, donc je vais plutôt mettre l'indicateur des plus hauts. Ah oui, donc par contre je vais pas le faire comme ça, je vais le faire avec. Voilà. Ah, pourquoi j'ai tous ces trucs-là en bas? J'ai dû faire une bêtise, moi. Normalement, je devrais pas avoir tous ces trucs-là. Ça, c'est pour les rebonds. Normalement, je devrais avoir au maximum ça. Ah. Ok. Donc, j'aime bien le MFI aussi parce qu'il m'indique que c'est le money flow en orange, là. L'indicateur en orange, j'aime bien parce que
En fait, c'est le flux monétaire. On voit s'il y a du flux monétaire qui arrive dans la valeur ou pas. Donc ça, je trouve que c'est pas mal comme indicateur en complément du RSI. Alors c'est vrai que je m'utilise très peu le RSI pour les plus hauts, donc je vais l'enlever, je vais garder le money flow et celui tout en bas. Et je vais remodifier donc mon modèle d'indicateur puisque j'avais dû faire une erreur en le modifiant une autre fois. Ok. Ça, il va bien sauvegarder ça. Ok, donc et tout en bas, c'est quoi? Tout en bas, c'est un indicateur que j'ai créé qui permet de voir en fait les nouveaux plus hauts. Attendez que je dise. Non, c'est pas ça. C'est pas lui qui permet de voir les nouveaux plus hauts, puisque c'est celui qui est intégré au cours qui permet de voir les nouveaux plus hauts. Celui-là, c'est simplement en fait pour voir quand on sort en fait d'une période baissière. En fait, mince. En rouge, vous avez les périodes où le cours a une tendance à fortement, enfin, où il faut faire attention, il y a une tendance à la baisse. Et quand c'est bleu, généralement, c'est que voilà, on sort d'une période, d'une mauvaise période. Bon, bref, c'est pas très très utile en réalité pour mes, pour ce que je fais, mais bon. Bref, c'est pas grave, ça, je vais pas aller plus loin dessus. On s'en fout un peu. On fiboche, le réajuste. Ok, donc en fait, la barre verte, enfin la courbe verte ici, c'est la courbe du dernier plus haut. Donc tant que le dernier plus haut n'a pas été dépassé, la courbe, enfin le, on a une ligne droite verte. Dès que le cours est dépassé, ça monte avec le dernier plus haut. Et ça pendant un an. Donc tant qu'il n'y a pas eu de nouveau plus haut pendant un an, vous avez la droite qui va rester droite. Si par exemple ici, on a pendant plus d'un an, ça n'avait pas été touché plus haut que le dernier. Donc ça faisait un an à chaque fois que le plus haut n'avait pas été dépassé. Puis comme là, ça a dépassé les un an, ça commence à baisser. Ça baisse avec le cours d'il y a un an. Donc c'est une rétrospective d'il y a un an. Ça a baissé, il n'y a pas eu de nouveau plus haut. Ça a baissé et là, boum, ça, il y a eu un nouveau plus haut. Donc la courbe a remonté et on rentre dans une mauvaise phase. Donc là, on a tant que pendant un an, dans les un an, s'il n'y a pas de nouveau plus haut, ça reste droit. Et puis dès que ça dépasse les un an, ça baisse. Donc là, on n'a pas eu de nouveau plus haut, pas eu de nouveau plus haut et on a eu un nouveau plus haut le 29 juin. Donc la courbe verte remonte. Ça, c'est ma courbe de stop que j'ai définie à un certain niveau. Voilà, donc c'est mon stop suiveur. Donc quand je suis rentré en position, donc par exemple, si on était rentré le 29 juin, on avait donc le stop qui était ici, puis le stop évolue en fonction de la montée. Donc des plus hauts. Ok, donc là, vous voyez qu'elle a fait des plus hauts pendant toute la semaine. Du 26, pendant une semaine, elle a fait des plus hauts, plus hauts, plus hauts. Jusqu'au 1er juillet. Puis là, il n'y a que le 2 juillet, le jeudi, qu'elle a pas fait de plus haut. Cependant, ça ne veut pas dire qu'elle va pas refaire des plus hauts, mais pour l'instant, elle est en pause. Voilà, donc moi j'ai mis mon niveau de Fibonacci pour repérer un peu les niveaux sur lesquels on peut racheter, puisque ça peut indiquer des niveaux de rachat, le Fibonacci. Si on veut amplifier ses trades sur une action. Ok, donc voilà OPK. Maintenant, je vais vous montrer l'autre, WKHS. Donc c'est Workhouse Group. Donc là, voilà, il n'y avait pas eu de nouveau plus haut, pas eu de nouveau plus haut. Bon, ça faisait moins d'un an parce qu'on n'a pas eu de baisse de la courbe verte. Et là, on a eu un nouveau plus haut. Et vous voyez comment c'est monté en flèche méchamment pendant beaucoup de. Pendant quasiment 2 semaines. Hein. Je crois que c'est à peu près 2 semaines de cotation. C'est monté, monté, monté. Donc on était à. Donc WKHS, c'était une penny stock qui est sortie de l'état de penny stock. Et ouais. Donc voilà. Pour ceux qui avaient pu la prendre vraiment dans les débuts où elle a percé. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est un x4, quasiment. On est proche du x4, donc c'est magnifique.
Mais c'était une penny stock à la base, donc c'est vrai que les penny stocks sont plus risquées parce qu'elles peuvent très rapidement rebaisser. Donc les penny stocks sont quand même risqués. Faut le savoir. Si je vais vous montrer une action que je suis. Alors, je vérifie juste un truc, ok. Je fais mes paramètres. Ok. Par exemple, si on prend. Allez, je vais prendre laquelle? Apple ou Microsoft. Je ne sais plus c'était laquelle qui était très parlante. On va prendre celle-là. Allez, Apple. Donc, si on prend Apple, par exemple, vous voyez qu'elle est haussière. Je vais regarder Microsoft. Ouais, c'est à peu près pareil. On a quoi? On a Amazon. Ah oui, Amazon. Ah, ou Tesla. Carrément Tesla. Tesla, elle est bien aussi. Ouais, Tesla, Amazon, ça se ressemble un peu. Si on prend, voilà, bon, on va prendre Amazon. Donc on voit que la progression, voilà, elle est régulière, elle est plus régulière que sur ce que je vous ai montré tout à l'heure. On voit que c'est toujours planché vers le haut. Et donc on a sur des valeurs comme ça, des mastodons là, les GAFA, on voit que on colle toujours vers le plus haut. Et on a des replis qui sont très minimes. Par contre, on a des progressions plus lentes. On ne fait pas des x4 comme ça. Voilà. Mais on a quand même une belle progression. Et donc, en fait, on voit que le niveau de mon stop suiveur, il est vraiment à l'abri. Il y a très peu de chances que ça revienne dessus. Si ça revient dessus, généralement, c'est qu'il y a un truc anormal, un peu comme la crise. Regardez Amazon. Pour Amazon, c'est vrai qu'il a profité de la crise. Donc même s'il y a eu l'effet de crise, il a baissé, mais pas énormément comparé à d'autres. Si je prends, voilà, Tesla, on va prendre Tesla. Donc si on prend Tesla, par contre, eux, bah, ils ont subi bien la crise fortement, puisqu'ils étaient quand même à 1000. Il y a eu plus de 4, je crois à peu près proche de 70-80% de baisse. Donc on a cassé mon stop loss suiveur. Donc là, on aurait vendu. Mais après, si on. Alors, soit on estime que Tesla, c'est vraiment une valeur forte qui va vite remonter. Et dans ce cas-là, on rachète quand elle remonte. Soit on se dit, mais de toute façon, il y a la stratégie des rebonds qui peut venir en complément. Et du coup, on aurait pu prendre du Tesla au moment du rebond. Et se dire, bon, Tesla, c'est une valeur sûre, donc on laisse courir. On met pas de take profit. Et effectivement, on serait rentré après dans la stratégie du plus haut avec Tesla. Donc on aurait fait vraiment un passe-passe entre les deux stratégies. Soit on attendait que ça revienne dans les plus hauts. Donc on attendait à peu près vers le 10 juin. Et donc le 10 juin, on repartait. Donc sur le plus haut avec Tesla, et là on reprenait la hausse. Voilà. Donc là c'est vraiment, comme je disais, quand ça va casser ces niveaux-là, c'est que vraiment il y a quelque chose d'anormal, soit Tesla va vraiment mal, soit vraiment il y a quelque chose sur les marchés. Donc voilà, c'est assez significatif sur des grosses valeurs qui ont, voilà, qui sont vraiment solides comme Tesla, ou comme Amazon, voilà, donc c'est ce niveau-là de cassure, il est parlant. Donc on vend à ce niveau-là. Et voilà. Ok. Donc maintenant que j'ai fait cet aparté finalement qui a été plus long que prévu, je vais revenir donc sur ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc voilà. Donc je vous montrais effectivement donc ces deux-là qui sont voilà, plus dynamiques. Donc j'ai pris du dynamique. Là pour l'instant c'est vrai que j'ai plus un portefeuille à dynamique. J'ai pas des grosses mastodontes puisque quand je suis arrivé les mastodontes avaient déjà franchi des plus hauts et voilà. Donc je souhaitais pas forcément les suivre à ce moment-là. J'ai quand même pris sur le portefeuille des CFD où je fais des plus hauts sur CFD en CFD. Donc j'ai pris là j'ai que des grosses parce que c'est des CFD. Donc on n'a pas accès aux petites sur les CFD. Donc voilà, donc j'ai eu du GD, du Netflix, PayPal, Shopify, Apple, Amazon, Nvidia, Shopify qui revient puisque je l'avais clôturé. Alors il a été clôturé prématurément
parce que finalement, il n'avait pas vraiment atteint, je crois, les. Ou si Shopify, je crois qu'il avait atteint, mais il n'a pas clôturé en dessous, mais il l'avait atteint dans la journée. Bon, tant pis, ça a clôturé. Et T-Mobile, et là, j'ai pris du Tesla dernièrement. Donc, le 1er juillet, c'était ma dernière, j'ai pris du Tesla. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je voulais montrer? Et d'ailleurs, normalement, je crois que je voulais prendre du Amazon aussi. Je sais pas si j'en ai pris vraiment. Je crois pas. Enfin, si je l'ai pas mis là, c'est que j'ai pas dû en prendre encore. Mais il me semble que j'avais dans l'idée d'en prendre. Donc je remets les choses comme c'était. Ok. Voilà. Donc globalement, maintenant, on va aller voir plus précisément l'état de mon portefeuille des plus hauts. Donc là, on voit 28% sur les positions ouvertes. Alors attention, l'autre fois, j'étais à 60% sur les positions ouvertes. Là, je suis à 28%. Il faut prendre en compte, je crois, que le fait que, normalement, je crois qu'il y a quelques valeurs qui ont été clôturées depuis, si je dis pas de bêtises. Et donc, ça change tout. Parce que j'avais une grosse valeur très, ma plus performante, qui a été clôturée, qui était AWH. Elle a été clôturée le 24 avril et AUDC aussi qui a été clôturée en profit. Les deux ont été clôturés avec profit. Et même AUDC encore, c'était encore une erreur. Enfin, je sais pas pourquoi, mais faut que je me renseigne. Mais ça a été clôturé avant mon niveau de stop, donc je comprends pas trop pourquoi. Mais bon, voilà, ça a été clôturé. Bon, une petite. Un petit profit de 5%, ici un profit de 146%, c'est beaucoup plus significatif. Voilà, globalement, donc c'est ce qui explique que là, vous voyez du 28% et vous voyez plus des 50%, des 60% comme avant, puisque la plus forte valeur que j'avais en portefeuille était clôturée, puisqu'elle s'est repliée. Est-ce que je peux vous montrer ça ici? Tac, tac, allez, allez. Désolé pour la lenteur, c'est pour ça que je me connecte à l'autre PC en. Alors, AWH. Hop, AWH, vous voyez, il est venu. Alors, il n'a pas clôturé effectivement en dessous, mais bon, moi j'avais un stop suiveur, du coup, si le cours dans la journée a été tapé dedans, ben, ça a clôturé mal. Voilà, tant pis, c'est comme ça. Ça prend pas position au moment de la clôture, ça prend sa clôture au moment où le cours vient taper dans le niveau que j'ai inséré. Ok, donc voilà pour AWH. Là, on voit qu'il est en train de surprendre, mais bon, pour l'instant, il est bas, donc rien ne dit qu'il va remonter assez plus haut et dans combien de temps, je sais pas du tout. Donc, au final, c'est même peut-être mieux que je sois clôturé sur celui-là et que je passe à autre chose sur d'autres actions. Ensuite, vous avez. Donc, j'avais dit qu'il y avait AUDC, on va aller le regarder. Donc, AUDC Audio Codes. Donc, oui, ça, c'est ce que je ne comprends pas. C'est pourquoi il a été clôturé alors qu'on voit bien qu'il est loin du stop suiveur. Ça, c'est un mystère. J'ai pas trop compris l'histoire de cette clôture. Mais bon, quand je suis arrivé, je l'ai vu. Enfin, j'ai eu le message comme quoi ça a été clôturé. Bon, j'ai dit tant pis. De toute façon, bah, c'est qu'il est en baisse. Pareil, je passe à autre chose. Il y a d'autres valeurs à prendre. Donc, c'est pas grave. Ok, mais c'était pas dans ma stratégie de base. Donc ça, c'est le truc qui m'a un peu embêté. Ok, donc je sors de là et je reviens à mon portefeuille. Voilà. Ok, donc on peut voir donc la courbe rouge c'est les positions ouvertes, la courbe noire c'est le total, c'est-à-dire c'est le total entre les positions ouvertes et fermées. Donc, si vous avez une valorisation négative sur les positions fermées, ça va faire. Enfin, voilà, ça sera. Voilà, c'est le plus. Donc, ça va être plus moins, quoi, en fait. Si vous avez 200 euros de profit sur les positions ouvertes et que vous avez fermé, vous avez 100 euros de perte en fermé, donc moins 100 euros, ça va faire 200 moins 100 et ça va donner un total de 100. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est vraiment la courbe réelle en fait du portefeuille avec les positions fermées comprises. Donc on voit en rouge position ouverte, donc que ça évolue, malgré qu'il y ait eu le détachement donc
de ma plus grosse valeur, on voit que ça continue à évoluer. Donc on se situe à peu près à 200 et quelques euros. Pour les positions fermées. Donc pour les positions fermées en violet, donc on a une baisse 109 euros. Ok, on est descendu à 109. Ça, faut que je vois. Faut que je comprenne pourquoi. Ok. Et donc le total, il est à 340 euros de profit. Alors je vais regarder juste. Non, ici. Je vais revenir sur le titre des portefeuilles. Ouais, UDC avait été clôturé. Si je regarde les positions fermées, j'ai bien UDC fermé, AWH aussi. Ok. Donc non, il n'y a pas de. Et normalement, j'ai bien mes deux valeurs, mes deux nouvelles valeurs, OPK et WKHS. Donc ouais, il est bien à jour. Ok. Donc là, on a la valeur totale de portefeuille. Ok, donc depuis le début. Donc on voit l'évolution aussi, comme ça, de la valeur de marché. Après, voilà, donc là, on a la répartition des actifs. Et là, on a la représentation des profits, pertes mensuelles. Donc effectivement, j'ai commencé en avril, donc ça pouvait pas être très fort. 22,5. Ici, plus gros mois, ça a été au mois de mai. En juin, on a eu quand même, on est en profit, donc en juillet, on démarre aussi en profit. Donc là, pour l'instant, c'est profit sur profit depuis le début pour cette stratégie. Ok, donc on va regarder celle des CFD. Donc au niveau des CFD, voilà, comme je vous l'ai montré, hein, Tesla, les plus grosses valeurs. Donc il y a celles qui ont été clôturées ici, position fermée, Shopify. Et on a les statistiques. Donc on voit la performance, gain-perte. Donc la courbe noire encore, c'est celle qui nous intéresse le plus, puisqu'elle prend en compte aussi les positions fermées. Donc on voit qu'on évolue. On évolue. Ok. On est à plus 169 en valeur de marché, donc je vais mettre aussi max, donc voilà, donc ok, ça, la répartition qui est à peu près égale. Et ici, donc les profits, donc depuis le mois de mai, 58, 72, 42 en juillet, voilà, donc pour l'instant c'est positif, tout va bien, on est à 15% sur position ouverte. Et voilà. Ok. Donc,